Salut les home studistes! Aujourd'hui c'est journée Digitone! Ouais, moi je dis Digitone parce que les Suédois ils disent Digitone, alors on peut dire Digitone, Digitone. On s'en fout. Aujourd'hui je vais vous parler de comment on fait pour changer un paramètre du Digitone sur l'ensemble des 4 pistes. Et ouais, tout en même temps, ouais! Et ça pour le live, c'est vachement bien. C'est tout de suite! Un truc vachement bien avec le Digitone, c'est qu'en live, on peut triturer les réglages et détruire un petit peu sa pattern. Mais bon, le problème, c'est qu'après, si je veux revenir à quelque chose de normal, bah, il va falloir que je retourne les potards exactement à l'endroit où ils étaient pour revenir à ma pattern d'origine. Première astuce pour éviter ça, il vous faut au préalable enregistrer votre pattern dans la mémoire temporaire. Pour ça, il y a une fonction, c'est ce petit save pattern qui est ici en bleu. Moi, je l'ai déjà fait au préalable, ce qui fait que je peux faire fonction reload pattern, et voilà, il met pattern reloaded from temp, et je retrouve ma pattern impeccable. Cool. Donc là, je viens de vous montrer qu'on pouvait le faire sur chaque son. Par exemple, là, je peux le faire sur la basse. Reload. Et je peux le faire aussi sur ce petit son. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des modifications beaucoup plus importantes, beaucoup plus significatives, qui vont me permettre vraiment de construire mon build-up et ensuite de pouvoir passer à la pattern suivante en ayant généré le climax maximal. Ouais, enfin, le climax, quoi. Non? Bon, d'accord. Ben pour ça, c'est facile. Il faut maintenir le bouton MIDI enfoncé pendant qu'on va modifier un paramètre et ça donne ça. Super! Je peux le faire sur tous les paramètres. Vous voyez, le truc, c'est qu'il faut pas se planter en laissant bien appuyer le bouton sur MIDI, sinon, vous voyez, quand on lâche, ça passe en mode MIDI, c'est pas très cool.